Hello à tous, c'est Florian, je suis très très heureux de vous retrouver sur cette chaîne YouTube pour une vidéo enfin après 3 ou 4 mois d'absence. Là je vous ai concocté une petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment créer un accompagnement jazz plutôt dans le style piano bar. Et c'est un style qui me tient particulièrement à cœur parce que moi j'ai été longtemps pianiste de restaurant et pianiste de bar dans lequel je jouais énormément de jazz, donc là je suis très très heureux de vous partager ceci avec vous. C'est un tuto qui sera un peu plus avancé, on va dire, que mes tutos précédents sur ma chaîne, mais vous allez sûrement apprendre plein de choses. On va parler d'accords de 7e, de 9e, accords de 13e, donc si tout ça, ça vous intéresse, on se retrouve tout de suite. Donc je vais vous jouer dans un premier temps ce qu'on va apprendre dans cette vidéo. Ça va ressembler un petit peu à ceci. Donc dans cette première partie, je vais vous montrer déjà les 6 accords différents pour cet accompagnement. En fait, il y a 8 accords en tout dans cette séquence, mais il y en a 2 qui reviennent, donc il n'y en a que 6 différents. Le tout premier accord, c'est le Do majeur 7. Donc là, il suffit de faire un accord majeur avec une 7e majeure également. Mais on ne va pas le jouer dans cet ordre-là, on va mettre la tierce en haut. Donc le Mi, il va aller en haut. Ce qui nous fait comme ceci. Et donc on va jouer la basse, puis l'accord. Ensuite, on aura l'accord de La mineur 7. Donc, c'est un accord de La mineur avec une 7e mineure. Pour ce renversement-là, on va garder la basse, mais on va mettre la tierce et la quinte une octave au-dessus. Donc, la tierce et la quinte, on va la mettre au-dessus, comme ceci. Donc là, on joue la basse avec le petit doigt et l'accord. Donc, Do majeur 7, La mineur 7. Ensuite, on va avoir cette fois-ci un accord de Ré avec une 9e. Donc, on a un accord de Ré mineur, 7e et la 9e. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, c'est le Mi. Donc, là, cette fois-ci, on se trouve avec un accord à 5 sons. Et donc, là, cette fois-ci, on va jouer les 4 sons en même temps. Donc, Do, La mineur, Ré, et cette fois-ci, le dernier accord de cette séquence, ça va être un accord de Sol avec une 13e. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Donc, déjà, on a un accord de Sol 7e, et on va ajouter une 13e. Donc, il suffit de compter 13 depuis le début. Depuis le sol, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Et là, on s'en rend compte que la 13e correspond à en fait la sixte de l'accord. Donc maintenant, comment on va placer cet accord-là? Quand on a des accords à 5 sons, on peut décider de soit tous les jouer, donc en mettant le Si à cette hauteur-là et le Ré à cette hauteur-là. Mais on va cette fois-ci exceptionnellement retirer la quinte pour n'avoir que la 7e, la tierce et la 13e. Comme ceci. Donc on se rend compte d'une chose, c'est que le Mi ne bouge jamais. Dans l'accord de Do 7e, dans l'accord de La mineur 7e, il y a toujours le Mi, dans le Ré 9e également, et dans le Sol 13e. Okay. Là, on a notre première moitié d'accompagnement. Pour la deuxième moitié d'accompagnement, on va avoir que 2 accords différents. On va avoir le Mi mineur, là cette fois-ci exceptionnellement, on ne va pas mettre de 7e, donc Mi mineur, qu'on rejoue à l'octave. Ensuite, on va avoir un La majeur avec une 7e mineure, donc un accord de La majeur et une 7e mineure, comme ceci.
De cette manière-là, on va mettre de nouveau la tierce et la quinte une octave au-dessus pour avoir cet accord-là. Donc, je répète, Mi mineur, La majeur 7, et ensuite on va enchaîner avec nos deux accords précédents, Ré mineur 9 et Sol 13. On peut également mettre une bémol 13 qui crée un petit effet un peu jazzy assez sympa. Donc maintenant je vais vous jouer toute la main gauche du début jusqu'à la fin. Comme ceci. Donc c'est pas évident au début de jouer tout avec la main gauche. Vous pouvez vous entraîner à faire ceci avec la main droite et la main gauche. La main droite joue les accords et la main gauche les basses. Donc maintenant, il va falloir s'entraîner à jouer cette suite d'accords plusieurs fois de suite, idéalement que avec la main gauche. Comme ça, on va pouvoir parler ensuite, plus tard, de la main droite, de l'improvisation et comment accompagner également avec la main droite. La main droite, elle va suivre exactement les mêmes accords qu'on s'était entraîné à faire. Quand on s'entraînait à faire main gauche, main droite, mais on va les faire cette fois-ci une octave plus haut. Comme ceci. Une fois que vous arriverez à faire ça correctement main gauche, main droite, on va pouvoir s'entraîner à jouer la main droite en même temps que la main gauche. Comme ceci. Et maintenant, on va pouvoir jouer un tout petit peu avec le rythme, on va pouvoir s'amuser en faisant 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Donc là, cette fois-ci, la main droite va toujours jouer entre les deux temps de la main gauche. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. 1 et 2, 3 et 4. Et 2, 3 et 4. Et une fois que vous arriverez bien à jouer ceci, on pourra parler cette fois-ci un petit peu d'improvisation, mais ce sera dans une prochaine vidéo. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que vous avez appris plein de choses. Ça peut paraître compliqué au début, il y a énormément de notes, les rythmes peuvent être un peu compliqués, il y a énormément de déplacements, mais une fois que vous maîtriserez cette suite d'accords, je vous promets que là, vous allez vraiment vous amuser. Je vais vous faire une deuxième partie la semaine prochaine, dans laquelle je vais vous expliquer comment improviser sur cette suite d'accords. Donc si ça vous intéresse, faites-le-moi savoir en commentaire. Si le contenu vous plaît, vous pouvez tout simplement vous abonner à cette chaîne. Il y a une masterclass de blues Boogie Woogie en description si le sujet vous intéresse également. On se retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous dis à tout bientôt. Entraînez-vous bien. Ciao !